En plus, on va te faire sentir ma peinture. Il n'y a plus de pipi, c'est fini. Il a dit, il n'y a plus de pipi jusqu'en haut. Ah, Anne-Marie, ça va? Voilà, c'était au cas où t'es froid. Ça coule. Contre la loi retraite, le président de la République a donné 100 jours à son gouvernement. Nous avons fait le calcul. Le 100 jours pour apaiser le pays, c'est aujourd'hui.
Le gouvernement, sur 100 jours, c'est fini aujourd'hui. Donc nous pensons que le président, dans son allocation du 14 juillet, allait nous faire sortir une loi asile-immigration, renaissance, LR et le parti au pouvoir. Renaissance, LR et RN. C'est cette loi-là qui devrait être dite par le président de la République aujourd'hui. Faute de majorité absolue, faute d'apaiser le pays, faute de trouver un moyen, le président a dit, selon mes connaissances, qu'il ne prendra pas la parole aujourd'hui. Parce qu'on attend à l'apaisement du pays, il n'a pas réussi à le faire. On attend avec son fameux, en tout cas, loi asile-immigration, qui n'arrive toujours pas à le mettre en place. Donc, la prise de parole d'aujourd'hui n'a aucun sens, ni pour les Français, ni pour lui, ni pour son gouvernement. Et aussi pour les sans-papiers. En tout cas, en ce qui nous concerne depuis l'année dernière, nous avons dit que Darmanin ne fera pas sa loi. Et Dieu merci, jusqu'à présent, on attend cette loi. Et cette loi, elle est dangereuse. Elle est dangereuse pour nous. Et même pour les gens qui sont en situation irrégulière. Et même ceux qui ont la double nationalité comme nous. Puisque à la moindre délit, le papier peut être confisqué, refusé de renouveler. Et après, on bascule dans la clandestinité et c'est l'expulsion vers le pays d'origine. Donc c'est ça qui nous attend tous. La raison pour laquelle nous avons créé avec les syndicats, les associations, les autres collectifs de sans-papiers, unis contre l'immigration jetable, autour de la marque de solidarité. Et aujourd'hui, un groupe est en train de naître à nouveau sur les violences policières, les racismes et les discriminations. Suite à la mort de Nahel, les comités Adama, tous les comités sont en train de se fédérer ensemble. Donc je pense que la place du mouvement des sans-papiers est là-bas. Parce que nous sommes la plus grande famille de victimes de violences policières. Il y a trois semaines, un sans-papier est mort au centre de rétention administrative de Vincennes suite aux violences policières. Tous les sans-papiers qui sont morts suite à des violences policières n'ont pas de famille ici pour créer de comité. C'est les sans-papiers qui se battent jour et nuit pour défendre ces personnes-là. En 2018, nous avons manifesté devant le ministère de l'Intérieur en soutien à Ismaël Day. Sa famille est venue nous voir à la place de la République pour nous demander d'arrêter de manifester. Donc c'est pour faire un appel à ces organisations, la plus grande famille de victimes de violences policières, c'est le mouvement des sans-papiers. Et aujourd'hui, toutes les associations, syndicats et collectifs de sans-papiers qui sont présents ici auront la parole à la place de la Bastille à l'arrivée de la manifestation. Ici, nous avons donné la parole à trois personnes, dont moi je parle au nom de la masse de solidarité. On donnera la parole au collectif de 1953, c'est-à-dire le 14 juillet 1953, bravo. Il y a le mouvement syndicaliste et un mouvement militant qui se sont fait assassiner à la place de la Bastille. À la place de la Bastille, ok? Ces gens-là, ils vont prendre la parole. Ensuite, nous donnerons la parole à un collectif de sans-papiers et la marche va continuer. Tout le reste prendront la parole à la place de la Bastille. Je vous remercie. Bravo, 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 merci. La marche de la solidarité, avec ce mot qui est essentiel pour nous tous dans une véritable, dans un véritable vivre ensemble de la société française qui arrêterait avec les discriminations, avec les violences policières qui ont sévi ces derniers temps. Il faut en sortir. Or, je parle au nom du collectif 14 juillet 1953. En 1953, il a été mis fin au défilé populaire pour la fête nationale du 14 juillet. Ces défilés, dans les années 30 et à nouveau après la libération de la France, il marquait une volonté du peuple de s'exprimer le jour de la fête nationale en l'honneur de la Révolution française. Il n'y avait pas que les défilés militaires. Or, ça s'est arrêté brutalement
le 14 juillet 1953 par le meurtre de 6 Algériens qui défilaient au sein de ce défilé populaire dans le cortège du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Je veux les citer, ces 6 Algériens, parce que nous les avons honorés, nous avons mis une plaque avec leur nom, nous avons, avec l'aide d'un artiste algérien, fait des silhouettes représentant leur effigie, et je voudrais rappeler leur nom, ils ont été trop oubliés. Amar Taladjit, 26 ans. Bacha Abdallah, 25 ans. Daoui Larbi, 27 ans. Draris Abdelkader, 31 ans. Mourouf Iloul, 20 ans. Le plus jeune et le plus souriant d'après les photos qu'il nous a laissées. Tahar Majeb, 27 ans. Et en dehors de ces 6 Algériens qui ont été tués par balles, sans sommation, avec une fausse allégation de légitime défense, puisqu'ils n'étaient pas armés, ils avaient simplement leur drapeau national, le drapeau algérien, qu'ils commençaient à brandir, comme il est ici parmi nous. Et il y a eu aussi un responsable de la CGT des métallos, de la métallurgie, qui avait beaucoup de syndiqués algériens qui étaient en même temps à ce mouvement indépendantiste du MTLD. Et il a voulu descendre sur la place, s'interposer, demander qu'on arrête le feu, qu'on arrête de tirer à balles réelles. Et il s'est pris une balle, c'est tout. Il est mort. Il s'appelait Maurice Lureau, un responsable de la CGT qui a été trop oublié, y compris dans la société française. Et on essaye de réhabiliter son rôle et le symbole que son attitude a représenté à l'époque. Alors voilà, donc on converge, la marche des sans-papiers, le collectif 14 juillet 53 se battent pour les mêmes objectifs d'égalité, de non-discrimination, de liberté et de fraternité. Bonne marche à tous. C'est Demélie Aboubakar, militant du collectif des travailleurs sans papier de Vitry, délégué de Grévy sous Chronopost DPD. Camarades, qu'est-ce qu'on veut ? Pour qui ? Exploitation ? Travail illégal ? La loi Darmanin ? Criminalisation ? Des OQTF ? Des IRTF ? Centre de rétention ? Le cas par cas ? Merci camarades. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la rue, pas pour fêter la fameuse fête qui a été annuelle qui a été promulguée en 1980. Nous sommes là pour dire, hier colonisé, l'État français a fait venir nos ancêtres contre leur gré, pour qu'ils prennent part dans une guerre qui n'est pas les leurs. Donc quand ils sont venus, comment l'État français les a remerciés? C'est en les mitraillant que l'État les a remerciés. Nous sommes dans la rue aujourd'hui pour dire aujourd'hui, exploiter. Nous ne sommes pas victimes directes de la colonisation. Mais sauf que c'est le même titre, c'est la même chose qui continue. Exploitation est égale à colonisation moderne. Donc c'est l'esclavage moderne qui continue. Exploiter, quand le président de la République a dit en mois de mars 2020, le 16 mars précisément, on est en guerre. Qui a mené cette guerre-là? C'est des travailleurs sans papier. Tout le monde les a applaudis. Que ce soit les infirmières, que ce soit ceux qui sont dans la logistique, que ce soit ceux qui font les chambres dans l'hôtel, ceux qui s'occupent des personnes âgées, oui. Ceux qui font les BTP, que ce soit n'importe quel travail. C'était les travailleurs sans papier sur le terrain. Le reste, c'était chômage partiel, télétravail. Et aujourd'hui, comment l'État nous remercie? Il nous remercie comment? En faisant un nouveau projet de loi. Une loi raciste. Une loi qui nous criminalise toutes et tous. Une loi qui met des barrages pour qu'il n'y ait pas de régularisation. Une loi qui nous traite des délinquants. Alors c'est comme ça, l'État veut nous remercier. On est dans la rue pour dire, si ce pays-là, ça tient pas aussi, c'est grâce à nous. Grâce aux travailleurs sans papier. Alors on demande la régularisation de toutes et tous les sans papier. On demande, merci camarades, on demande qu'il y ait une loi.
demande qu'il y ait une loi qui permettra d'établir l'égalité des droits. Papier pour tous, travail pour tous. C'est pour ça aujourd'hui nous sommes dans la rue. Et on dit, demain régularisé. Bien sûr, demain nous serons régularisés. Mais comment? En continuant le combat. Ça, c'est un appel à toutes et tous les sans-papiers. Il ne faut jamais baisser les bras. Les cas d'en face, ils nous traitent comme des criminels, comme des voyous, comme des délinquants. Notre réponse à eux, c'est que les chiens aboient, la caravane passe. Le ministre du Travail a dit, on a besoin de ces travailleurs-là. Monsieur, si vous avez besoin de ces travailleurs-là, ouvrez les guichets, régularisez. Il y en a marre de la dématérialisation, il y en a marre des violences policières. Et bien sûr, c'est raciste. Ils nous disent, c'est pas raciste, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est faux. Parmi les 13 qui sont morts pendant cette année, regardez, est-ce qu'il y a un Julien parmi ces gens-là? Il y a un Pascal? Si c'est pas un arabe, c'est un noir. Donc c'est raciste. Nous, on les dit haut ou fort. On demande l'égalité des droits, papier pour tous, travail pour tous. La manif continuera, il ne faut jamais baisser les bras. On dit les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, des travailleurs précaires. Et cette société-là, on n'avait pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, des travailleurs précaires. Et cette société-là, on n'avait pas.